Good morgen, Alaïd et Nessus, aujourd'hui le Nishmat Machlouf Mirabin Masoudarika Batlevi Itzrak, Avram Chayin Orber Ben Fortuna, Mazal Domen Yudit et Nissan Ben Mafret. Si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Midot, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Atartona Chamesh, Veroved Shesh, Vemtsaït Shesh, Veroved Sheva, Aeliona Sheva, Sheneemar, Hayatsia, Atartona. 5 ba'ama rochba, ve'atichona 6 ba'ama rochba, ve'ashlishit 7 ba'ama rochba. Mishnah très simple qui continue à nous décrire les ta'im, les cellules qu'il y avait autour du Echal. Comme on avait expliqué dans la Mishnah précédente, que tout autour du Echal, donc on avait des rangées de murs qui étaient soutenues avec toutes des techniques d'architecture pour pouvoir bien soutenir, bien maintenir les murs. Avec, donc, on faisait monter des murs assez épais, assez avec une certaine distance, d'accord. Et puis il y avait des poutres qui les reliaient, et comme ça, ça nous permettait d'avoir une belle armature costaud, qui nous permettait ensuite d'avoir le Echal qui montait jusqu'à presque plus de 100 amas de hauteur, je crois. On le découvrira au Perekhe, précisément. Avec l'équivalent de 100 amas de hauteur, 50 mètres de haut, c'est franchement balèze à l'époque. Et... à l'époque où il n'y avait pas les grues et où il n'y avait pas, bien évidemment, ils étaient pas moins bêtes que nous, bien au contraire même. Mais ils avaient moins de savoir que nous, forcément. Et donc, constamment, il y avait des murs épais qui étaient avec une certaine distance, et il y avait des poutres qui les reliaient. Du coup, c'était l'occasion d'exploiter cet entremur pour en faire des taïm, des cellules qu'on utilisait pour ranger, stocker toutes sortes d'ustensiles, d'objets du Bétamigdash, de vêtements, de peu importe. D'accord? Tout ça, donc, c'était tout autour. Il y en avait 38, c'est ce qu'on apprenait dans la mission précédente. Maintenant, on avait appris que les 38 qu'il y avait, en fait, c'était sur 3 étages. Par exemple, dans la partie nord, il y avait 5, et 5 au-dessus, et 5 au-dessus. Et là, il y avait 15, 15, et là, il y en avait 8, parce que les deux du haut, elles étaient plus grandes. L'équivalent à peu près de distance, imaginez-vous, regardez, vous avez pour 40 amas, plus encore 20 amas. 60 amas pour 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait... d'accord, faites le calcul tout seul. Et puis, ça fait plus de 10 amas, quoi. Enfin, comptez les murs, ça fait l'équivalent de 10 amas, je crois, le tas. Maintenant, on va s'intéresser à la largeur du tas. D'accord? Comme vous le voyez, il y a écrit 6 ici, mais en réalité, c'est pas exactement 6. C'est 6 en bas. Je vous ai expliqué dans l'introduction au cours précédent que plus... quand on veut construire un gros mur, qu'il a un gros socle, plus on va monter, moins l'épaisseur, moins ça devient moins nécessaire de le laisser tellement épais. On peut le diminuer un petit peu, mais mieux que ça en plus. On a moyen, plutôt que de remplir toute cette largeur, toute cette épaisseur, avec des coulées de béton à non plus finir, il y a des techniques très simples. C'est qu'on fait monter une partie du mur, on met des poutres, on dispatche bien, et puis ça nous permet en fait de gagner un peu plus d'espace à exploiter. Eh bien, maintenant, à part ça, lorsque Shlomo HaMelech a construit le mur, je ne sais pas pourquoi c'est précisé dans le passage, mais je ne connais pas la raison, mais en tout cas, les poutres qui soutenaient l'armature, en fait, de Setaïm, qui était le mur du Echal, eh bien, les poutres, il fallait pas percer le mur pour faire soutenir les poutres, peut-être parce que c'est plus costaud, je ne sais pas, c'est pas précisé dans le Barthénora, mais en tout cas, au lieu pour pouvoir planter une poutre qui va soutenir deux murs, de manière à ce que les murs ne vont plus être branlants, eh bien, plutôt que de les percer, eh bien, il y a une autre technique, en fait, c'est de faire monter les murs avec un petit escalier. Vous faites monter le mur, et puis après, à une certaine hauteur, vous le faites rentrer. Et comme ça, vous allez pouvoir poser une poutre plus large, une poutre qui va s'asseoir donc sur ce rebord. C'est beaucoup plus stable et costaud. D'accord? Et donc, selon ce principe, les 3 étages des taïm partaient en s'élargissant parce que le mur partait en devenant plus étroit. Alors la Mishnah maintenant enseigne. À Tartona, le ta inférieur, Chamesh, lui-même faisait une largeur de 5 amas, Veroved Shesh. Et Roved, je ne sais pas ce que dire exactement Roved cette fois-ci, Roved c'est une rangée. Mais en tout cas, le plafond, lui, il reposait sur une largeur de 6. Parce qu'en fait, les murs rentraient d'une demi-amas des deux côtés, et donc ça nous permettait maintenant de pouvoir poser
des poutres dessus. Ah, mais non, c'est très simple. Si les poutres, elles étaient en bois, on n'avait pas le droit de planter du bois, il fallait que le poser. Probablement, c'est ça la raison, je ne sais pas. C'est pas précisé ici. Donc, il fallait. Donc, ça rentrait en fait d'une amas. Comme ça, on pouvait poser la poutre. Du coup, on avait plus de place pour la cellule supérieure, qui faisait cette fois-ci Vaem Tsaït Chesh. Celle du milieu faisait 6. Et de nouveau, en arrivant en haut, elle s'élargissait un petit peu. Et ça nous permettait de poser une poutre qui faisait des Roved Sheva. Et une poutre d'une largeur de 7. Et du coup, Vaha Eliona. Et la cellule supérieure, eh bien, elle faisait tout simplement Sheva. Elle faisait 7. Après, c'était fini l'escalier, on avait juste le toit jusqu'en haut, et puis voilà. Donc, chez Neymar, comme nous dit le verset, Ayatsia Tartona Chamesh Bahama Rochba. Le Yatsia, c'est la cellule inférieure du niveau d'en bas du premier étage. Il faisait Chamesh Bahama Rochba, il faisait 5 amas de large. Vatichona, celle du milieu, Shesh Bahama Rochba, elle faisait 6 amas dans sa largeur. Vashlishit et celle de tout en haut, eh bien, Sheva Bahama Rochba, elle faisait 7 dans sa largeur. Cette fois-ci, on parle, regardez, c'est plus Yecheskel, c'est Menachim. C'était déjà au premier Beth Amikdash que c'était comme ça. Non, Menachim, on a le binyan de Shlomo Melech du premier Beth Amikdash. Dans Yecheskel, on a la prophétie de Yecheskel qui détaille comment sera le troisième Beth Amikdash. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.